Bon, très bien, nous allons reprendre. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter ici Philippe Drapeau-Contim, qui est maître de conférence en métaphysique et en philosophie du langage à l'université de Rennes 1. Philippe est également directeur adjoint du Centre Atlantique de philosophie pour le site de Rennes. Ses travaux portent sur la métaphysique des modalités, l'identité, les théories de la référence, ainsi que la métaphysique et la sémantique des termes d'espèce. Il a publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels Kripke, Références et modalités, aux Presses universitaires de France en 2005, un ouvrage intitulé Qu'est-ce que l'identité chez Vrin en 2010, et un ouvrage intitulé Model Matters aux éditions Quimet en 2012. Il prépare actuellement un ouvrage sur le nécessaire et l'a priori après Kripke, et sa conférence s'intitule Le présentisme et le problème du passé ready-made. Merci Alexandre. Merci beaucoup aux organisateurs de ce colloque, Claudine Kercelin, Alexandre Desclos et aussi Sophie Grand-Cyr. Voilà, je suis vraiment ravi de participer à ce colloque revigorant. Alors, je vais, il a été beaucoup question du présentisme depuis hier, et je ne vais pas déroger à la règle. Moi aussi, je vais y aller de ma petite musique sur le présentisme. C'est donc le présentisme que je vais discuter aujourd'hui. Alors, je rappelle quand même, je pense que les rappels ne sont pas inutiles, hein, le présentisme, c'est la thèse ontologique selon laquelle seul le présent existe. Le passé et le futur ne sont rien. Le futur n'existe pas puisqu'il n'est pas encore, et le passé n'existe pas puisqu'il n'est plus. En somme, pour le présentiste, hein, tout l'être, toute la réalité est confinée dans la mince pellicule du présent, qui serait bordée par deux néants, le passé et le futur. Alors, cette ontologie, pour ainsi dire présentocentrée, est considérée par beaucoup de métaphysiciens comme étant extravagante, mais les présentistes font valoir qu'elle répond pourtant à la conception commune du temps. L'une des motivations principales du présentisme est en effet de rendre compte de notre intuition selon laquelle le temps passe, le temps s'écoule. Pour le sens commun, le temps, en effet, ne consiste pas seulement dans une série d'instants ordonnés par la relation avant-après. Le temps s'ordonne aussi selon les catégories passé, présent, futur. Et on a tendance à croire, à tort ou à raison, que ces catégories seraient réelles, au sens où elles ne seraient pas des projections de la pensée ou du langage sur le monde. Et surtout, on a l'intuition que le contenu de ces catégories change. Ce qui est futur deviendra un jour présent, et ce qui est présent deviendra passé. La force du présentisme est, semble-t-il, de pouvoir expliquer très facilement ce passage du temps en l'identifiant à un écoulement ontologique. Puisque le présent est le seul lieu de l'être, c'est la scène de l'existence pour le présentiste, alors devenir présent, c'est commencer à exister, et devenir passé, c'est sortir de la scène du présent, et donc cesser d'exister. Alors, mais cette austérité de l'ontologie présentiste, qui joue ici à son avantage, constitue ailleurs un inconvénient. Comme on l'a rappelé, si le passé n'existe pas, alors qu'est-ce qui va rendre vrai les énoncés au passé? Pour reprendre la terminologie en vigueur, où va-t-on trouver les truth makers, les vérifacteurs des énoncés au passé, si toute la réalité se cantonne au présent? Alors, face au problème des vérifacteurs, la stratégie des présentistes consiste généralement à postuler des entités spéciales qui ont pour fonction de tenir lieu dans le présent des choses passées. Ces représentants sont en quelque sorte des ersatz du passé, dans le présent. Et ce sont ces représentants qui fourniront le point de départ de l'objection que j'entends adresser aujourd'hui au présentisme. Je soutiens en effet que le point fort allégué du présentisme, à savoir sa prétendue aptitude à rendre compte du passage du temps, constitue précisément son talon d'Achille. Selon moi, le présentiste est incapable de rendre compte du passage du temps. Parce que, comme j'espère le montrer, l'austérité de l'ontologie présentiste fait qu'elle n'a pas les ressources pour distinguer entre un monde présent qui, comme le nôtre, laisse derrière lui un passé, et un monde présent dont le passé serait, pour ainsi dire, ready-made. J'entends par là un monde qui serait tel qu'est notre monde présentement et qui contiendrait donc des ersatz du passé, mais qui, à la différence du nôtre, commencera à exister seulement maintenant, en n'ayant aucun passé derrière lui. Or, si le présentiste est incapable de faire la différence entre un passé révolu et l'absence de tout passé,
alors il n'honore pas son cahier des charges, qui est de rendre compte du passage du temps. Alors, pour faire apparaître le problème, je partirai d'un scénario qui, à l'origine, a été conçu par Bertrand Russell comme une hypothèse sceptique. Dans un passage célèbre de The Analysis of Mind, Russell nous invite à imaginer le scénario suivant. On peut concevoir que l'univers aurait pu commencer à exister seulement maintenant, en étant d'emblée tel qu'il est présentement, mais sans jamais avoir eu de passé. Pour le dire de façon imagée, on peut imaginer que Dieu aurait pu créer notre présent ex nihilo, en créant d'emblée toutes les particules fondamentales qui composent maintenant notre univers, dans l'état exact où elles sont présentement, ça aurait été en quelque sorte un présent ready-made. Alors évidemment, on peut se demander si ce monde sans passé est physiquement possible, c'est-à-dire compatible avec les lois de la physique. Par exemple, est-ce qu'on peut vraiment imaginer un univers qui contiendrait maintenant des noyaux d'hélium sans que ces noyaux aient été issus d'une nucléosynthèse primordiale, ce qui demande du temps et donc un passé? Mais à la suite de Russell et de bien d'autres, et notamment des présentistes, j'accorderai que ce monde est néanmoins... Sinon, alors physiquement possible, du moins métaphysiquement possible. Alors maintenant, poussons un peu plus loin le scénario de Russell et imaginons qu'à peine ayant créé ce présent ready-made, Dieu décide de l'annihiler avant que le temps s'écoule et qu'un changement advienne. On obtient alors un monde instantané, un univers qui est un double du nôtre tel qu'il est maintenant, mais qui, à la différence du nôtre, ne durerait qu'un instant. Alors le point central, c'est qu'il n'y a pas de flux du temps dans ce monde instantané. Dans ce monde, les personnes ont des souvenirs apparents, comme dit Russell, mais en fait, ce sont des faux souvenirs, et elles anticipent ce qu'elles croient être un futur, mais il n'y a pas d'écoulement ontologique et donc pas de temps au sens présentiste. En effet, l'univers n'existant qu'une fois, le temps d'un instant, l'univers présent ne remplace aucune réalité antérieure, et de même, lorsque l'univers contenu dans l'unique instant disparaîtra, il n'y aura rien pour le remplacer. Dans ce monde instantané, il y a donc, si vraiment on insiste, on peut dire un présent, si on veut. Mais c'est un présent immobile. Rien ne bouge. On n'a pas une succession de réalités qui adviendraient, puis cesseraient d'exister à tour de rôle, en entrant et puis en sortant de la scène du présent. Alors l'expérience de pensée du monde instantané pose un défi aux présentistes. Qu'est-ce qui distingue en effet le monde présentiste du monde instantané ? Un monde où le temps ne passe pas. La question se pose car si on s'en tient à l'ontologie présentiste, rien ne semble pouvoir, à première vue, distinguer les deux mondes. Dans le monde présentiste, il n'y a ni réalité future, ni réalité passée. Toute la réalité est confinée dans le présent, exactement comme dans le monde instantané. Alors évidemment, le présentiste fera bientôt valoir cette différence. Dans le monde instantané, il n'y a pas de réalité passée, car il n'y en a jamais eu. Tandis que dans le monde présentiste, il n'y a pas de réalité passée, mais c'est parce que cette réalité n'est plus, elle est révolue, ce qui veut dire qu'elle a été. Alors, le présentiste a bien sûr raison de faire valoir cette différence. Mais l'objection consiste justement à dire qu'il n'y a rien dans l'ontologie du présentisme qui permette de l'intérieur du présent de faire la différence entre un passé qui n'est pas parce qu'il est révolu et un passé qui n'est pas parce qu'il n'a jamais été. Donc là, il faudrait bien préciser que l'objection ici n'est pas de nature sceptique, contrairement au scénario de Russell. C'est-à-dire, même si on concède aux présentistes que nous savons d'une façon ou d'une autre que nous habitons un univers où le temps s'écoule et qu'il laisse derrière lui un passé, l'ontologie présentiste est incapable de nous dire en quoi consiste cet écoulement du temps, et ce pour une raison simple. Tout composant de la réalité que le présentiste pourrait invoquer comme fondement d'un passé révolu dans notre monde doit se retrouver également dans le monde instantané, puisque dans les deux cas, la réalité selon le présentiste serait due au présent, et que les mondes présents sont les mêmes. Alors le présentiste répliquera que même si son ontologie se cantonne au présent, on peut trouver dans le présent des garanties qu'il y a bien un passé derrière nous. En effet, même si l'univers passé n'est plus, son existence a laissé des traces dans le présent. Et ces traces excluent que nous vivions dans un monde sans passé. Selon John Bigelow, l'empreinte du passé sur le présent prend la forme de propriétés dites tensées ou temporalisées. Considérons par exemple le fait passé que Obama ait été président.
Dans l'ontologie présentiste, l'univers où Obama est président n'existe pas car il n'est plus. Néanmoins, cette réalité révolue a laissé une trace dans le présent. Dans le présent, Obama a la propriété temporalisée au passé d'avoir été président. Et c'est ce qui garantit qu'il y a bien eu un passé derrière nous. Si nous habitions un monde instantané et que l'univers commençait à exister maintenant, tel qu'il est présentement, Obama aurait certes toutes les propriétés qu'il a au présent, par exemple celle d'être marié ou d'habiter Washington, mais il n'aurait pas la propriété au passé d'avoir été président, ni aucune des propriétés au passé qu'il a maintenant. Ces propriétés au passé impliquent nécessairement qu'il y a eu, avant notre réalité présente, une autre réalité aujourd'hui révolue, dans laquelle Obama avait la propriété au présent d'être président, et c'est ce qui fait la différence entre le monde présentiste et le monde instantané. Alors là, on a pris un cas dans lequel on a un objet qui a existé par le passé et qui continue à exister jusqu'à nous, donc Obama. Mais qu'advient-il si l'objet lui-même n'est plus là pour porter les propriétés au passé, par exemple dans le cas du fait passé que César a franchi le Rubicon? Dans ce cas de figure, pour qu'il ait toujours un porteur des propriétés, Bigelow considère qu'il faut que, ça soit, que les propriétés au passé soient portées non pas par les objets qui constituent l'univers, mais par l'univers lui-même. Dans le cas des faits passés concernant César, on dira par exemple que l'univers présent a la propriété au passé d'être un univers où César a franchi le Rubicon, et cela suffit pour garder la trace du temps et la trace du passé, et donc pour témoigner de la marche du temps. Alors évidemment, comme ça, on pourrait se dire, mais si l'objectif ici est de trouver une trace du passé dans le présent, pourquoi aller chercher de mystérieuses propriétés tensées de l'univers? Pourquoi ne pas recourir tout simplement aux traces du passé, au sens où on l'entend habituellement? Donc, prenez un fossile, compte tenu de sa teneur en carbone 14 et de la proportion de carbone 14 présent dans l'atmosphère terrestre, et compte tenu des lois régissant la désintégration radioactive du carbone, et de l'assimilation du carbone par les animaux, le corps organique que vous avez entre les mains implique qu'il y a eu un animal vivant ici il y a 100 millions d'années. Donc si ce genre de traces suffit pour attester qu'il y a eu un passé, alors pourquoi s'embarrasser d'entités métaphysiques exotiques comme des propriétés tensées de l'univers? Eh bien parce que le présentiste cherche à montrer que si seul le présent existe, le présent est néanmoins gros du passé. Et il faut pour cela qu'il y ait dans la réalité présente des éléments qui pointent nécessairement vers un passé, au sens le plus fort de la nécessité métaphysique. Autrement dit, ces éléments présents étant là, il doit être métaphysiquement impossible qu'il n'y ait jamais eu de réalité passée avant aujourd'hui. Or, cette connexion métaphysiquement nécessaire n'existe pas entre la trace au sens usuel et le passé dont elle témoigne. Étant donné les lois gouvernant la physique et la biochimie du carbone, l'effet, donc le fossile, suit sa cause, l'animal passé. Mais si les lois de la nature avaient été différentes, eh bien, l'effet aurait pu exister sans sa cause et même sans qu'aucune cause lui préexiste. En revanche, il est censé y avoir une connexion nécessaire qui vaut entre les propriétés tensées du monde présent et des propriétés au présent instanciées par le passé. Étant entendu que cette connexion n'est pas de nature causale. Si l'univers présent a la propriété au passé d'être un univers où César a franchi le Rubicon, alors cette propriété tensée lui a été conférée nécessairement par un univers aujourd'hui révolu où César possédait la propriété au présent de franchir le Rubicon. Et en ce sens, le monde présentiste est gros du passé et cela le distingue du monde instantané. Alors est-ce que la stratégie des propriétés tensées, et puis je passe, hein, c'est une famille de stratégies, une stratégie apparentée, peuvent résoudre le problème du passage du temps dans le présentisme? Je ne pense pas. Je voudrais montrer que la stratégie des propriétés tensées ne résout pas le problème soulevé par la possibilité d'un présent ready-made, car selon moi, elle ne fait que repousser le problème plus loin sous la forme du problème que j'appelle le problème du passé ready-made. Commençons par interroger en effet le statut des propriétés tensées auxquelles Bigelow fait appel. Donc ces propriétés sont-elles les propriétés primitives de l'univers, ou est-ce que l'univers les possède en vertu du fait qu'il aurait d'autres propriétés plus fondamentales? Alors, afin de mieux comprendre la question, considérons par exemple la propriété qu'a l'univers d'être régi par les trois lois de Kepler. Est-ce là un trait primitif de l'univers? Non, car l'univers possède ce trait en vertu du fait qu'il possède d'autres propriétés, par exemple celle d'être régi par le principe d'inertie et la loi de la gravitation universelle. En revanche, ces deux dernières propriétés, pour l'instant, sont de bons candidats, des candidats plausibles au titre de propriétés fondamentales.
c'est-à-dire de propriétés que l'univers ne possède pas en vertu d'autre. Alors, qu'en est-il à présent de la propriété au passé d'être un monde où César a franchi le Rubicon ? Alors, de prime abord, on pourrait croire que cette propriété n'est pas fondamentale quand on a envie de dire que l'univers la possède en vertu du fait qu'il a eu jadis la propriété au présent d'être un monde où César franchit le Rubicon. Après tout, c'est parce que dans le passé, César franchit le Rubicon, que maintenant, dans le présent, César a franchi le Rubicon. Mais le présentiste ne peut pas dire ça. Car selon lui, le passé n'existe pas. Le passé ne fait pas partie de la réalité. On ne peut donc pas l'invoquer pour expliquer ce qui fonde maintenant une propriété au passé. Donc, dans l'ontologie présentiste, la propriété au passé d'être un monde où César a franchi le Rubicon est une propriété fondamentale de notre univers, et c'est une concession qui est acceptée par Bigelow lui-même. Or, le problème, c'est qu'à partir du moment où le présentiste admet que les propriétés au passé sont des traits primitifs du monde, alors il doit aussi admettre la possibilité de ce que j'appelle un passé ready-made, qui est une version exacerbée du présent ready-made du plus haut. Et le problème du passage du temps va refaire surface. Alors, qu'est-ce qu'un monde dont le passé est ready-made ? Eh bien, c'est un monde dont le présent est ready-made, comme tout à l'heure, mais qui possède en plus des propriétés au passé. Autrement dit, c'est un monde qui, contrairement au nôtre, ne commence à exister que maintenant, mais pour le reste, il est exactement tel que notre monde présentement, y compris pour ce qui est des propriétés au passé. C'est donc non seulement un monde où Donald Trump est président, c'est aussi un monde qui a la propriété d'être un monde où César a franchi le Rubicon. Mais alors, si ce monde est indiscernable du nôtre, pourquoi, d'un point de vue présentiste, ce monde n'est-il pas tout simplement notre monde ? Où gît la différence ? Alors, intuitivement, la différence dont le présentiste est mis au défi de rendre compte, c'est que dans le monde au passé ready-made, et contrairement au nôtre, rien n'a jamais précédé l'univers présent. Dans ce scénario, l'univers commence à exister en étant déjà pourvu de toutes les propriétés au passé, mais il n'est pas issu d'une réalité antérieure. Alors cet univers possède certes la propriété abstraite d'être un monde où César a franchi le Rubicon, mais cet univers, contrairement au nôtre, n'a jamais traversé un état où un César bien concret, en chair et en os, franchit un Rubicon bien concret. Tout au plus, peut-on dire que dans ce scénario, il n'y a jamais eu réellement de passé. Il y a un passé qui est représenté par des choses présentes, voilà ce qu'on peut dire. Il y a des ersatz du passé, pour parler comme David Lewis, donc propriété tensée. Mais une représentation d'un passé est une chose, un passé révolu en est une autre. L'univers au passé ready-made ne laisse derrière lui aucun passé. Et nous retrouvons donc l'immobilisme du monde instantané du plus haut. Rien ne bouge, le temps au sens présentiste n'existe pas dans ce scénario. Or, la possibilité d'un passé ready-made constitue un défi pour le présentiste, au même titre que la possibilité d'un présent ready-made. Comparons en effet la description du monde passé ready-made avec la description que le présentiste fait de notre monde, eh bien, il n'y a tout simplement aucune différence. Ces descriptions sont exactement les mêmes. Et si tel cas, alors puisque le temps ne passe pas dans le monde passé ready-made, il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait du temps dans le monde présentiste. Et pire, puisque ces mondes sont indiscernables, alors il y a tout lieu de penser qu'ils sont identiques. Le monde présentiste serait en fait un monde immobile au passé ready-made. Évidemment, le présentiste veut échapper à cette conclusion, alors il est mis au défi pour cela de rajouter dans sa description du monde un ingrédient par lequel notre monde diffère du monde au passé ready-made et qui garantisse de l'intérieur du présent qu'il y a eu réellement un passé derrière nous. Alors bien sûr, une stratégie que pourrait adopter le présentiste serait de refuser d'entrée de jeu la possibilité d'un passé ready-made, en arguant que ce scénario n'est pas concevable. Il contiendrait une contradiction cachée. Plus précisément, il y aurait une contradiction à dire d'une part que le monde commence à exister maintenant et d'autre part que le monde possède propriété au passé. Si le monde possède des propriétés au passé, alors celles-ci sont forcément la trace d'une réalité antérieure. Le problème est que si l'on s'en tient à la description présentiste du monde, on voit mal comment on pourrait faire apparaître une contradiction dans ce scénario. Rappelons-nous en effet que rien ne distingue la description du monde passé ready-made de celle du monde présentiste. Donc si la description du passé ready-made est contradictoire, celle du monde présentiste l'est également. Et inversement, si le présentiste
affirme la possibilité du monde présentiste, c'est-à-dire selon lui de notre monde, alors il doit concéder la possibilité d'un passé ready-made. Dans l'ontologie présentiste, je ne vois donc rien qui puisse exclure la possibilité d'un passé ready-made. Et si c'est le cas, alors le présentiste est incapable de nous dire ce qui fait que le temps passe dans notre monde. Alors toutefois, dans un article récent, David Ingram soutient que le présentisme peut relever ce que j'ai appelé le défi du passé ready-made, à condition, selon lui, que l'on s'appuie sur la théorie de l'excéité, une théorie de l'individuation qui est ancienne, puisqu'elle apparaît avec Don Scott, et qui a été remise au goût du jour dans les années 70, siècle dernier, par Robert Adams. Alors, qu'est-ce que l'excéité? Selon les excéitistes, l'individuation n'est pas un fait brut. Ce qui fait qu'un individu, par exemple Aristote, et cet individu-là, Aristote, et pas un autre, cela vient forcément d'une propriété qu'il a en propre et qui le rend unique. Mais cette propriété individuante n'est pas une propriété au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire une qualité ou une relation. Ainsi, même si Aristote est le seul homme à avoir écrit la métaphysique, cette propriété n'est pas ce qui fait qu'Aristote est l'individu qu'il est. Car on peut très bien imaginer une circonstance contrefactuelle dans laquelle Aristote soit resté Aristote, même si quelqu'un d'autre, disons Théophraste, avait écrit la métaphysique. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'Aristote est Aristote? En quoi consiste l'aristotéité d'Aristote? Selon Adams, l'individualité d'Aristote repose dans son excéité. L'excéité est une propriété d'un individu qui est simple, primitive et non qualitative, au sens où on ne peut pas la réduire à une conjonction de qualités, comme c'est le cas par exemple dans la notion individuelle ou notion complète chez Leibniz. Et comme l'excéité ne repose ni dans les qualités d'un individu, ni dans les relations qu'il a avec son environnement, on ne peut pas articuler l'excéité autrement qu'en faisant une référence singulière à l'individu qui la porte, au moyen d'un démonstratif ou d'un nom propre, en disant, par exemple, l'excéité d'Aristote, eh bien, c'est la propriété d'être identique à cet homme-là, Aristote. Donc, il y a une dépendance de l'individu à l'égard de son excéité, puisque l'existence d'un individu implique nécessairement celle de son excéité, sans quoi, eh bien, cet individu ne serait pas individué. Mais Adam soutient que la dépendance vaut aussi dans l'autre sens, de l'excéité vers l'individu. Et c'est là un point central de la théorie de l'excéité qu'un présentiste comme David Ingram va exploiter pour tenter de résoudre le problème du passé ready-made. Selon Adam, l'existence d'une excéité implique nécessairement l'existence d'un individu qui la porte. Il n'y a pas d'excéité orpheline, c'est-à-dire sans porteur. Et pour cette raison simple, ce qui n'existe pas n'a pas de condition d'identité, et donc il n'existe pas de propriété qui serait la propriété d'être identique à cette chose inexistante. Cela signifie que les ficta, donc les objets fictionnels, n'ont pas d'excéité. Donc, puisque Emma Bovary n'est pas réelle, il n'y a pas une excéité d'Emma Bovary. De même, il n'y a pas d'excéité des possibilia, les objets purement possibles, non actuels. Ce qui rend compte du fait que la référence au possibilia est d'ailleurs toujours vague ou indéterminée. Si je vous dis par exemple que j'aurais pu avoir une sœur, j'évoque la possibilité contrefactuelle d'avoir une sœur en général, mais je ne suis pas en train de faire référence à une certaine sœur possible bien déterminée que je pourrais distinguer de toutes les sœurs possibles que j'aurais pu avoir. Adam apporte néanmoins une nuance qui est cruciale pour le problème qui nous occupe. Selon lui, une excéité dépend de son porteur pour commencer à exister, mais dès lors qu'elle existe, elle n'a plus besoin de lui pour continuer à exister. Elle peut donc exister bien après son porteur. Alors pourquoi cette asymétrie entre l'avant et l'après? Pourquoi est-ce qu'une excéité ne pourrait-elle pas précéder son porteur? Eh bien parce que Adam s'est attaché à l'ouverture du futur, c'est-à-dire à la contingence du futur, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment en matière d'existence. Or, selon Adams, à partir du moment où l'on admet l'ouverture du futur, alors affirmer qu'une excéité pourrait précéder son porteur revient à dire qu'elle aurait pu exister sans jamais avoir eu de porteur. Ce qu'Adams exclut, on l'a vu. Pas d'excéité orpheline. En effet, l'existence d'un individu dépend de conditions contingentes qui peuvent être tout aussi bien que de ne pas être, étant donné un certain état antérieur de l'univers.
La naissance de Julius César, par exemple, dépend de la décision contingente de ses parents d'avoir un enfant. Supposons maintenant qu'on dise que l'univers est gros du futur, au sens où il contient les excités de tous les individus passés et présents, mais aussi futurs, une espèce de version excitiste du préformisme. Dans ce cas, notre univers contenait déjà l'excité de César avant que César ne naisse. Or, le futur étant ouvert, cela implique qu'il aurait pu y avoir un univers dont le cours est exactement le même que le nôtre, en incluant l'excité de César, jusqu'à l'instant précis où les parents de César décident finalement de ne pas avoir d'enfant. Cet univers alternatif aurait donc contenu l'excité de César sans César. Or, on l'a vu, il ne peut pas y avoir d'excité orpheline. Adams en conclut qu'une excité ne peut pas exister avant son porteur. En revanche, selon lui, une excité peut continuer à exister après son porteur, car une excité est une propriété, donc une entité abstraite, qui ne connaît pas les vicissitudes d'une créature de chair et de sang. Surtout, cette persistance des excéités rend très bien compte de notre intuition selon laquelle on peut faire de référence de façon déterminée à des objets passés, alors que, comme on l'a vu, la référence aux possibilia et aux ficta est toujours vague. Par exemple, en ce moment, je suis capable de parler de cet homme-là, Aristote, bien individué, en le nommant lui parmi des milliards d'autres, quand bien même Aristote n'est plus. Selon l'excéitiste, cette référence singulière n'est possible que parce qu'elle est sous-tendue par l'excité d'Aristote, à défaut d'Aristote lui-même. En somme, l'homme passe, mais son excité reste. Alors, en quoi cette persistance des excéités permet-elle au présentiste de relever le défi des mondes sans passé ? Eh bien, revenons d'abord au problème du présent ready-made. Le présentiste peut arguer qu'il y a cette différence cruciale entre notre monde et le scénario du présent ready-made. Dans notre monde, le passé n'est pas, puisqu'il n'est plus. Mais il a laissé des traces sous forme d'excéité. Si notre monde ne contient pas César, il contient néanmoins l'excéité de César, qui a continué à exister après lui. Et la présence de cette excéité, aujourd'hui, prouve qu'il y a bien eu un passé avec César derrière nous, car nous savons qu'une excéité a besoin de son porteur pour commencer à exister. Inversement, dans un présent ready-made, on retrouve bien tous les individus qui composent notre monde, mais pas toutes les propriétés qui manquent à l'appel, car manquent à l'appel toutes les excéités qui émanent de notre passé. Dans ce scénario, le présent ne peut pas héberger l'excéité de César, puisque par le passé, il n'y a jamais eu quelqu'un comme César pour amener cette excéité à l'existence. Donc la marque du passé dans le présent, tant recherchée par le présentiste, consisterait donc dans l'existence d'excéités aujourd'hui orphelines. Et on notera que c'est la forme particulière de dépendance de l'excéité à l'égard de son porteur qui permet de répondre au problème du présent ready-made. C'est parce que cette dépendance n'est pas synchronique qu'une excéité peut persister jusqu'à nous et servir de témoin quand bien même son porteur est sorti de la réalité. Parce que dans le cas contraire, l'excéité disparaîtrait avec son porteur et nous perdrions la trace du passé. Et c'est parce qu'il y a néanmoins une dépendance initiale de l'excéité à l'égard de son porteur que l'existence d'une excéité aujourd'hui orpheline est la garantie qu'il y a bien eu un passé derrière nous et que notre monde ne commence pas tout juste à exister. Et dans la foulée, le présentiste peut, semble-t-il, régler facilement le problème du passé ready-made en arguant que ce scénario est impossible. Et c'est ce que fait David Ingram. Selon lui, il est impossible, métaphysiquement impossible, qu'il y ait un passé ready-made, car il est impossible qu'il y ait des excéités ready-made sans porteur préalable. Pour le dire en images, Dieu lui-même ne pourrait pas créer ex nihilo un présent qui serait comme le nôtre et qui contiendrait l'excéité de César. Dieu peut bien briser des relations causales, peut-être, ou même des lois physiques, mais il ne peut pas se soustraire au caractère métaphysiquement nécessaire de la dépendance initiale qui relie une excéité à son porteur. Alors, que faut-il penser de la stratégie excéitiste ? Bien, je voudrais essayer de montrer que même si on est prêt à concéder l'existence d'excéité, celle-ci ne change absolument rien au problème du passé ready-made. Le problème qui se posait pour les propriétés au passé se repose intact pour les excéités. Je ne vois pas de pouvoir spécial des excéités pour régler le problème que ne réglaient pas les propriétés au passé. Donc reprenons en effet le scénario des excités ready-made. David Ingram nous dit que ce scénario est impossible. Mais pourquoi?
La question se pose car dans un cas de présentiste, il n'y a aucune différence, encore une fois, entre ce scénario et notre monde. Le monde, au passé de Wedimel, est un double parfait du nôtre. Tout ce qu'il compose, individu et propriété, se retrouve dans notre monde et vice-versa. Ainsi, il y a une excéité orpheline de César dans le monde au passé ready-made. Mais c'est vrai aussi de notre monde, puisque dans le cas de présentiste, César n'est rien. Il n'est plus rien. Il n'est plus, il n'est rien. Le passé est tombé dans le néant. D'où le problème. Si le monde au passé ready-made est indiscernable du nôtre, pourquoi notre monde est-il possible alors que celui du passé ready-made serait impossible? Qu'est-ce qui fait la différence modale entre ces deux scénarios? Alors le présentiste répondra que ce qui font leur différence modale, c'est que dans notre monde, il y a eu un passé contenant César, tandis que dans le scénario des excités ready-made, il n'y en a jamais eu. Et c'est pourquoi dans un cas, l'excité aujourd'hui orpheline de César est possible, alors que dans l'autre, elle ne l'est pas. Malheureusement, cette réponse est inaccessible au présentiste. Car dans son ontologie, le passé est néant. Il est hors du cadre de la grande description de la réalité. Or, ce qui n'est rien n'a pas le pouvoir de faire une différence modale. C'est-à-dire de faire qu'un scénario, celui de notre monde, est possible, tandis qu'un autre, celui des excités ready-made, est impossible. En un mot, en un slogan, une contrainte ne peut pas venir s'exercer depuis le néant. La possibilité et l'impossibilité ont forcément leur source dans quelque chose qui se trouve dans la réalité. Et tout le problème, c'est que ce quelque chose ici, c'est le passé. Or, dans le présentisme, le passé ne fait pas partie de la réalité. Tout est dans le présent. Et justement, les présents des deux scénarios sont les mêmes. Le présentiste est donc enferré dans un dilemme. Première branche du dilemme. Considérant qu'un monde d'excéité ready-made est impossible et qu'un tel monde est indiscernable d'un monde peuplé d'excéité d'objets passés, le présentiste conclut qu'il est impossible que le présent abrite des excéités d'objets passés. Autrement dit, il est impossible qu'il y ait des excéités orphelines, quel que soit le cas, que ces excéités soient orphelines parce qu'elles n'ont jamais eu de porteur, ou qu'elles le soient parce qu'elles ont eu un porteur mais qui n'est plus aujourd'hui. Cela signifie que les excéités commencent et cessent d'exister avec leur porteur. Dans la terminologie adoptée plus haut, les excéités dépendent donc de leur porteur non seulement initialement mais aussi synchroniquement. Mais évidemment, si les excités disparaissent avec leur porteur, alors le passé ne laisse plus aucune trace dans le présent du présentisme. Le présentiste ne peut donc pas recourir aux excités pour garantir qu'il y a bien eu un passé derrière nous et que le temps passe. Deuxième branche du dilemme, le présentiste renverse le raisonnement, considérant que notre monde, qui est actuel et donc a fortiori possible, est peuplé d'excités d'objets passés. Et considérant que notre monde est indiscernable d'un monde d'excéité ready-made, le présentiste conclut qu'un monde d'excéité ready-made est possible après tout. Autrement dit, il est possible qu'il y ait des excéités orphelines dans tous les cas, que ces excéités soient issues ou non d'objets passés. Cela signifie que les excéités sont totalement indépendantes de leur porteur, un peu comme chez Dan Scott, aussi bien initialement que synchroniquement. Mais si tel est le cas, alors l'existence d'excéités orphelines aujourd'hui, dans notre monde, ne garantit pas qu'il y a bien eu un passé derrière nous. Et là encore, le présentiste doit chercher ailleurs dans le présent quelque chose qui pourrait constituer la trace du temps. Mais quoi ? Alors, je conclus. Si ce que j'ai avancé est juste, les excéités, pas plus que les propriétés tensées, ne sont d'aucun secours face au problème du passé ready-made. Alors peut-être que le présentiste pourra tirer de son chapeau d'autres ersatz du passé, mais je crois que toute tentative de ce genre est vouée d'avance à l'échec. Et à mon avis, c'est la conclusion plus générale qu'on peut tirer de l'échec des deux stratégies que j'ai examinées plus haut. La stratégie des propriétés tensées et celle des excités ont en effet pour point commun de chercher à garder une trace du passé en s'appuyant sur des nécessités diachroniques. Par nécessité diachronique, j'entends la relation de dépendance qui existe entre deux choses, telle que l'existence de l'une implique nécessairement celle de l'autre, au sens le plus fort dans les systèmes métaphysiques, alors que leur carrière temporelle ne coïncide pas. La première chose continuant à exister après l'autre. Ainsi, dans la stratégie des propriétés tensées, il est censé y avoir une connexion nécessaire diachronique entre, d'une part, une propriété au passé
possédée par l'univers présent, et d'autre part, une certaine propriété au présent, instanciée dans le passé. De même, dans la stratégie des excéités, une connexion nécessaire est censée relier au travers du temps une excéité aujourd'hui orpheline à l'individu qui l'a jadis portée. Les propriétés tensées, l'excéité, et tout ça constitue des sources de nécessité diachronique, et la liste n'est pas close, j'en ai rajouté d'autres. Si on est convaincu qu'il existe quelque chose comme la nécessité de l'origine, alors il y a une connexion nécessaire entre vous et l'un de vos parents biologiques, si vous pouvez exister évidemment bien après vos parents biologiques. Il y a d'autres formes de connexion. Je pense même que celui qui souscrit à l'externalisme du contenu sémantique pose ce type de connexion nécessaire, si vous avez le souvenir d'un objet passé qui n'est plus. Bon. Alors, on peut évidemment disputer de la question de savoir s'il y a vraiment des connexions nécessaires dans la nature. C'est controversé, mais je ne vois du moins aucune contradiction, alors immédiate, à parler de nécessité diachronique dès lors qu'on se place dans une ontologie éternaliste, où tous les instants, passé, présent, futur, existent également. En revanche, l'ontologie présentiste est incompatible avec l'existence de nécessité diachronique, et il est donc vain de la part du présentiste de faire appel à elle pour garder la trace du temps. C'est la leçon qu'on peut tirer, à mon avis, de cette discussion. Lorsqu'il existe une relation entre deux choses dans un cadre présentiste, cette relation est ou bien contingente si elle est diachronique, ou bien synchronique si elle est nécessaire. Mais il n'y a pas de place pour des nécessités diachroniques. Parce que, comme j'espère l'avoir montré dans le présentisme, exister après, c'est forcément exister sans ou indépendamment de. En effet, si B existe après A, alors il va fatalement arriver un moment où B est présent, tandis que A est tombé dans le néant pour le présentiste. À ce moment précis, nous avons un présent qui est un monde à lui seul, une réalité totale dans laquelle B existe tout seul, sans A. Et comme la réalité se suffit à elle-même et qu'elle ne réclame rien d'autre pour être possible, l'existence solitaire de B montre immédiatement que B, en fait, aurait pu exister sans être précédé de A, sans l'existence de A. Et si tel est le cas, alors rien dans le présent du présentisme ne peut constituer la trace nécessaire d'un passé révolu. Et donc, le défi que posent les mondes sans passé au présentisme reste entier. Merci.